Pourquoi ce morceau? Parce que dans ce morceau, je pense que c'est la première fois que j'aborde le thème de la nature de l'homme, de ce qu'il peut faire de son rôle finalement sur cette planète, le fait qu'il détruise tout, qu'il pollue. Donc il y a un moment dans ce morceau, je me mets un peu à la place de la nature. Je parle des montagnes, qui parlent à la mer, et la forêt, et donc ils ont une conversation au sujet de l'homme. Et ils disent que finalement, ils se ressemblent tous. Ils font penser à leurs ancêtres, etc. Donc l'histoire se répète. Donc c'est un axe que j'avais jamais vraiment abordé. Comme je disais, les thèmes se ressemblent, les thèmes se répètent, mais tout est dans la façon d'amener la chose. Tout est une question de valeur de plan. C'est comme dans les films, etc. Films d'horreur, films d'amour, c'est toujours la même chose, mais tout est dans la façon de l'interpréter. Et ce que je trouve intéressant dans ce morceau, c'est la façon dont j'ai pu aborder ce sujet. Dedans, j'ai parlé de l'homme, de la nature, je parle de mon père, je parle de ce que l'homme peut avoir au fond de lui-même, je parle de la guerre, je parle vraiment de l'homme avec un grand H, quoi. Vous me disiez qu'il y avait quelques événements d'actualité qui vous avaient aussi inspiré pour ce morceau, c'est lesquels? Oui, j'étais inspiré par ce qui a pu se passer en Libye, en Tunisie, le printemps arabe, un peu partout, ces événements qui nous ont tous un peu traumatisés. J'en parle dans d'autres titres, même dans l'album, dans Le Pire. Donc j'ai voulu parler de tout ça subtilement, sans m'attarder là-dessus, sans rentrer dans la politique ou quoi que ce soit, mais il fallait que j'en parle parce que voilà, c'est. Parfois avec les mots, avec des tournures de phrases, on peut faire comprendre à des gens qui n'ont peut-être pas compris certaines choses, qui n'ont pas saisi les subtilités dans ce qui se passe dans le monde. On peut faire comprendre les choses avec des mélodies, avec du rythme. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aborder ce sujet.